Bonjour, je m'appelle Michel Ousmane, je suis coach de l'AS Saint-Germain, le Bidon. Monsieur le coach, aujourd'hui vous êtes venu pour une victoire. Hein? Ouais. Non? On est venu avec une victoire. Et la stratégie, ça c'est mon cœur, on a vu que le match était tellement dense. Ouais. Ouais, évidemment, le match était tellement dense. On l'avait bien préparé. On avait dit qu'il y aura. Il y aura ça qui nous attendait chez eux. C'est ici, c'est à Djibouti, c'est notre première journée. On avait envisagé que le match soit très dur. Mais bon, l'important, c'est qu'on a gagné le match avec. Alhamdulillah. On a vu en certain moment que vous mettez la pression, vous avez dominé. Est-ce qu'il n'y a pas un lâchement qui joue? Oui, ici, il y avait un lâchement, mais. C'est lâchement qu'on a eu, c'était aussi ton façon de jouer pour pouvoir maintenir le coup. Parce que les gosses, on les a appris à chaque moment qu'il peut être dominé dans un match. Et quand on te domine, il faut savoir maintenir le score. C'est ça qu'on attend. Notre tournoi passé à l'équipe, chaque match on menait à 3-0 ou à 2-0, mais on revient sur nous. Et actuellement, on les a. Et ça a rectifié et montré que chaque escort devrait être géré jusqu'à la fin. Et votre prochaine sortie? Bon, notre troisième sortie, alhamdulillah, on attend Union. On va essayer de faire pour qualifier. D'accord. Et rappelez-nous votre nom. Michel Ousmane. Michel Ousmane, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Très bien. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me nomme Boubacar Diallo, alias Netouti. Donc on m'appelle Netouti, c'est le diminutif de Ney. Donc je suis le capitaine d'antan de l'AS Saint-Thiaba de Pignola. AS Saint-Thiaba, vous savez vraiment que le match sera très dur. Oui, très dur, on le savait parce que déjà, ce n'est pas notre première venue en phase départementale et ce n'est pas notre première rencontre avec l'équipe organisatrice. Donc on savait déjà les pressions qu'il allait avoir. Donc on était préparé mentalement à cela. Et à un certain moment, on a vu que l'équipe Djibouti était sous la pression. C'est vrai, ils veulent égaliser, mais vous aussi, il y avait un peu de lâchement. Oui, effectivement, parce qu'on a très tôt conscientisé les Gosniki. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire les deux mi-temps en une seule mi-temps. Cela veut dire quoi? Les premières occasions, il faut les mettre dans les buts. Et maintenant, on va aller laisser le ballon et garder les espaces le maximum possible et essayer de dérouler petit à petit pour grignoter un peu dur sur le temps. Et la stratégie était bonne? Bon, comme au final, le résultat à la dernière est positif, donc on se dit que la stratégie est bonne. D'autant plus qu'on a gagné par 1-0. Maintenant, ce qu'il faut faire, mais maintenant, c'est redoubler d'efforts pour amener beaucoup plus de puissance devant et concrétiser d'autres occasions sur Anoura. Les supporters ou nous? Les supporters, je l'ai dit, big up et bonne continuation. Donc, Namdou Doy, Tchakao Tchikano. Rappelez-nous, ça tourne là. Boubacar Diallo, Netouti. Merci, Diagouni. Allez, merci.